Et je me demande vraiment pourquoi Goku est pas intervenu. Oh non, 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 non! Alors là, ça me dépasse complètement. Là, franchement, à chaud, je vous dis ça à chaud, on verra quand je ferai l'analyse après, parce que j'aurai le texte et tout en français, enfin en anglais au moins pour traduire, mais là, franchement, je suis extrêmement déçu de ce que je viens de lire là. C'est déjà le chapitre d'avant, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient pas. Là, celui-là, pareil. Autant je trouvais que l'anime, il faisait pas mal de boulettes. Là, j'ai vraiment le sentiment que le scan fait pire. Le scan est en train de faire pire. Toyotaro qui m'a habitué à faire mieux que la Toei. Là, non. Non, désolé, Toyotaro. Carton rouge pour toi, mon ami. Là, ça va pas. Franchement, vraiment très déçu. Alors après, peut-être que je vais faire l'analyse quand j'aurai la version française et que là, je vous dirai, oh, c'est un génie. Et vous direz, oh, il retourne sa veste. Mais là, en fait, avec juste les informations que j'ai graphiques, franchement, je peux pas dire que, je peux pas dire que c'est un bon chapitre, quoi. J'ai rien ressenti d'épique. Là, attends, je repasse vite fait sur tout, mais. Non, j'ai rien ressenti d'épique, quoi, dans tout ce combat-là. C'est triste, quoi. On a eu un petit peu de tension, même si on se doutait bien que Goku n'allait pas tomber, quoi. Et pareil, Jiren, la même chose. Mais malgré tout, il n'y a rien que je retiens de ce chapitre-là. En dehors du fait que Hit vient de se faire éliminer, là, si vous me demandez de résumer ce chapitre-là, je vais vous dire. C'était pas terrible, quoi. Franchement, un peu déçu. Si, je vais vous dire que Hit a fait tomber la jupe. Voilà. C'est. Hit a fait tomber la jupe, Hit est tombé. Voilà ce que j'ai retenu de ce chapitre. Waouh, super. Bravo, merci pour le chapitre 35 de Taro. Bon, je vais vous laisser là, je suis désolé, hein. Je veux pas dire de mal de Dragon Ball parce que j'adore cette série. Et c'est vrai que comme j'étais un petit peu déçu de certains traitements dans le format animé, j'espérais avoir mieux dans le manga. Et là, bah, je suis plutôt déçu. Enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon je vais encore répéter. Je vais vous laisser ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Un pouce bleu si vous avez apprécié. Un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Un partage si vous trouvez que la vidéo est digne d'intérêt. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!